Everybody, Madow! Wait, stand for public. Madow, we are so happy to have you here. Thank you so much. I have nothing else to do tonight. So what? No, actually, I'm really happy to be here because you know I work after here, and it's going to be a very long night. You're a working girl. I'm a working girl. I'm working 9 to 5, 9 at night to 5 in the morning. Right. Okay, well, let's start things off. What is the best thing about being Madow? I can bitch without being recognized on the street. No. About being Madow is about in my heart. I wanted to do since I was a little girl. I wanted to do theater, being an actor, and a comedian, and a goddess comedian. Goddess comedian. It's more than you. Yes. Now, it was so exciting that you've celebrated 14 years with your cabaret. 14 years and 29 years of career. That's insane. That's insane. We're excited for the 30th year. Next year, 30 years, 15 years of the cabaret. Trois cents for some kids in Montreal. Who cares? I was not here trois cents for some kids in Montreal. Qu'est-ce que je célèbre? La première poignée de temps. L'histoire sans rien. Mais non, I'm not costuming too. What did you do to celebrate the 14-year anniversary? We are still celebrating, actually. We started with a big party on the 5th of May because we opened on May 2nd. So the closest Thursday to May 2nd, we do a big party. And almost every night, we have a special event. Like last Thursday, we did a lecture public of the Cara Saison. The Anglophone don't know that. It's a bit, c'est quoi en anglais? Oh, Marine Children. C'est la même qui l'a genre. Les Simpsons en vrai, c'est bon. Et I'm doing a Dalida next week. In 2 weeks, we're doing a Star Wars disco party. Yeah, ça c'est très professeur aussi, déjà. Will you be Princess Leia? They want me to be the second thing that is the ambassador, of course, on the night. I'm gonna wear more. Not much of a, I'm too skinny for that. I mean, skinny. So we're going to get the Star Wars disco party every Sunday. Bagalicious, Rita Bagal, who's a big star, she's in a different team. And every Tuesday night, I'm hosting the night, and I do Le Mardi, I'm doing a different team. So it's a big month of celebration. For those who don't know about your cabaret, what makes it so unique? It's actually a place to have fun. There's no attitude. People don't text in your face. That's good. You don't try to pick up someone on the door. No, I'm sure they do it too. That's the first thing I see with people with their phones, shut it off. But no, it's a venue that you can enjoy. You sing a show, having a drink, you can dance. It's a complete, for me, it's something very complete because it's not only a bar, it's not only a cabaret where you see shows and people leave. You can do many things. It's like a performing place. Like, anything is possible. Well, over the years, you've had many international guests as well as some local stars. So talk about some of the highlighted guests. But the international guests usually are drag queens because Madonna didn't want to come last twice. She wouldn't fit in the door. She's too big ego. No. We had Shelly Vine. I love her. She came twice. And then Chiquita came from New York. We had a couple of times, Lady Bunny did a couple of jokes with me, but I couldn't follow her. She's too much. It's too much. She's bitchier than I can believe it. But she's so funny. And we had also Joy Arias, he's coming next week here. He came to the cabaret a couple of times. I remember Shangela? Shangela. Actually, she was for Gay Pride, and she came after two. But she didn't, I think she did a split on the stage. That's what she did. Her death drop. That's she what she's good at. She does. Oh, yeah, the death drop. Okay, that's what she did. And we had international stars who came to look at the show. We had the Pet Shop Boys who came to look at the air. We had Cher, dancer. Yeah, Cher was not available. We had the Scissor Sister. Which one? Jake. Cheers. Cheers. He came for 5 minutes and then he went upstairs to the Naked Boys. And we had the most important international guest, Madow was there. Once or twice a day. And but we had many people who come to the, like Rufus Randolph came, and we had like, that's it. Maddie Mae came.
Lulu Hughes and Kim Richardson. Actually, we have many. Oh, Samantha Fox. Sam Fox. Samantha Touch Fox. Me. She came to my dressing room and she tried my wigs on. What? And I have pictures of them. And of course, Michelle Shaw. Well, as well as local stars. It's all local stars. So actually, what happens is like those local stars, like the singers, the actors, when they have a day off, they want to have a good time. Sometimes they pass by. They used to. But if I see them, they're afraid I'm going to bitch them. Like I did it to Pierre Lapointe once, and he never came back. But who are some of the girls that work with you? Like Rita and Tracy Trash? Rita, like, has a big star now on this Sunday nights, and she's getting even bigger, and she's going to Toronto this year. Tracy Trash is almost there every night. She's a bartender, she's a hostess, she's a singer, she's a dancer. She's one of the best drag queens in Montreal, Tracy Trash. She's so talented. And I've got also Nana, who's been with me since 12. We've worked together for 29 years. Wow. I think only the first year I was with her. And she's my co-host every weekend. She's amazing. She's funny. She's vulgar. She's so vulgar. I wonder why the censorship never came to the cabaret. But she's so funny. And Madame Simon. Madame Simon is an institution in Montreal. She's our door diva. Since the beginning, she's also been one of my associates. We were four in the beginning, then we were three. She was one of the three, and then she sold her part, and now we're two, me and a guy called Denis. And she's still there. She's part of my family. She was with me at Lézard. She was with me even before the Lézard. I went to San Luca Park for the Poodle. I was a go dancer, and she was a shooter girl at the Poodle. So Poodle now, I think it's the DJ, the Purple Days. Sa fille. Sa fille. That's non, c'est le trash bar. Trash bar. That's retour aux sources. C'était le poudre. Poudreau était assez trash. On dansait le poudre comme un homme à 3h du matin. On faisait le petit train sur le dance floor. Tout le monde se tenait dans la tête. And nobody was drunk or stoned. Est-ce que j'ai de la convaincre? Moi, je crois tout ce que tu dis. Tout. Mais j'aimerais ça qu'on parle de musique. De musique? Moi, j'ai tellement pas de goût. Ben, c'est ce qu'on va voir. Justement, j'ai sélectionné des chansons. Oui. Tony, play the first one et tu me dis... Oh mon Dieu, c'est comme un quiz! Ben, tu vas les reconnaître. Qu'est-ce que je gagne? Tu gagnes un bec. Ah. Est-ce que je peux choisir la chanson? Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Pour mieux évacuer. Michel Richard, dans ta carrière. Écoute, j'ai toujours dit que Michel Richard, c'était ma mère spirituelle, parce que Michel Richard, c'était la diva, par exemple. On n'avait pas beaucoup de divas au Québec. Tu sais, en France, il y avait Lady Gaga. Aux États-Unis, il y avait Liza Minnelli, Barbra Streisand. Mais nous autres, on avait Michel Richard. Aucun talent. Pas de voix, mais les hosties de rock, par exemple. Michel Richard, tout était dans la robe, dans les épaulettes. Écoute, Dynasty, c'était nothing compared to Michel Richard's épaulettes. Du frou-frou, en veux-tu, en veux. Les conseils, c'est que moi, je me suis pas inspiré d'elle, me moquer finalement, puis finalement, j'ai adopté le look. Est-ce que tu l'as eu au Lézard, ou tu l'as juste eu au Bingo? Parce que je sais que... Au Lézard, vous aviez ri beaucoup de Michel Richard, vous êtes beaucoup inspiré d'elle pour les spectacles, puis t'essayais pour l'anniversaire du Lézard de l'avoir, mais je me rappelle pas. On n'a jamais réussi à l'avoir parce qu'elle cherchait trop cher. Mais on a eu Belle Gazou, par exemple. Ben, Belle Gazou. Où de fuck est Belle Gazou? C'était une fille du quartier, Belle Gazou. C'est une fille du quartier. Ce qui était drôle dans l'anecdote de Belle Gazou, Belle Gazou, c'est une chanteuse des années 80, qui chantait tant que parler. Il faut toujours s'écouter, mieux s'en parler tant que parler. C'était mauvais, mais c'était un hit de radio. C'est aussi populaire que Marie aujourd'hui. Non, c'est vrai, elle a eu un hit, that's it, un one hit wonder. Puis, elle est venue au Lézard le soir, puis mon dormant, Daniel Rousse, qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas très longtemps, était fan fini de Belle Gazou. Il me dit, Belle Gazou, tu sais, il faut que tu la fasses en spectacle. On n'a pas sa chanson, il est parti chez Jean pour en chercher. Dans ce temps-là, c'était 45 tours. It tells you how old I am not. Fait que là, il est allé chercher 45 tours à la maison, on l'a mis, puis Nicole, la salle drag queen qui n'avait pas de costume a performé la chanson complètement nue avec sa queue entre les jambes. Un moment mémorable dont on voudrait se rappeler pour l'éternité. J'étais là. T'étais là ce soir-là, mais tu
Alors, Tony, chanson numéro 2. Là, c'était mon but avec cette chanson-là, c'était de prouver que t'aimes pas juste la musique qui t'aime. Non, j'adore les 52. J'étais bien à l'église. Mais, oui. Mais quand les années 80, j'étais plus new wave, entre guillemets, que pop musique. Oui. J'étais plus les 52 puis que Eurythmics. J'adore les Eurythmics aussi, mais pas le choix de Eurythmics, sinon c'était date. Mais les B52 te ressemblent plus. Oui, ben, le look, en tout cas, je pense. La folie. Mais oui. Numéro 3. Ça m'amène à parler d'une période de ta carrière, parce que je la connais bien, ta carrière, entre le lézard et le village. Ben c'est ça, il y a eu une espèce de néant, là. Comment ça, il y a eu un néant? Parce que... Tu sais que j'étais plus populaire, que pas pour le lézard. Ben, un, t'es parti. Oui, c'est ça, je suis parti. Puis deux, le village, on n'aimait pas ça tant que ça. Non, on n'aimait pas ça du tout. Donc... Toi, j'imagine que tu étais dans une espèce de « qu'est-ce que je fais? » Lézard est fermé, il y a des bars dans le village, j'aime pas ça tant que ça. Les bars, là, je t'en rappelle, c'était comme des bars pour hommes seulement. Ouais. Boring. J'ai besoin de mes girlfriends, moi, quand je sors. Et en plus de ça, il y avait un bar où mes filles d'année, c'est un bar plus travesti. À l'époque, on ne disait pas drag queen, on disait travesti, c'est le cabaret d'entrepôt, qui est exactement le local que j'ai acheté, qui s'appelle le cabaret Mado. Maintenant, à l'époque, c'était un cabaret de travesti, on disait travesti, mais c'était des spectacles de drag queen, anyway. Puis il était pas comme. Ben, il voulait même avoir. Parce qu'il y avait pas ce qu'on faisait, parce que nous autres, on faisait de la parodie. On était trash, on avait pas des looks de femmes. J'avais du sein, j'avais du poids de ses jambes. Scandalous. Pour eux autres, c'est la perfection. Puis c'était correct, c'était un art. Tant que ça, ça existe encore aujourd'hui. C'est juste que nous, on faisait pas ça. Fait qu'on était comme. On pouvait pas vraiment performer dans ces endroits-là. Puis on avait pas comme le goût de sortir là, parce qu'on disait, on regardait le show, on avait juste le goût de monter sur la scène, puis on allait faire comme. C'était trop clean pour nous autres. Fait qu'on s'est mis à sortir dans des bars straight qui faisaient des soirées gay ou dans des bars straight qui faisaient pas de soirées gay, puis on savait que c'était gay friendly. Puis moi, de toute façon, j'étais tanné de Nando parce que je faisais 5 soirs semaine pendant 3-4 ans sans arrêt après les arts, ça faisait 5 ans. Là, mes amis m'ont dit Luc, tu me tombes ses dents. Ça, c'est le garçon qui est caché derrière. Oui, c'est le garçon que je ne connaissais pas, mais il n'est pas là ce soir.
Et qu'il disait à ce garçon-là, Luc, tu me tombes, c'est mal, prends les vacances. Fait que moi, je disais, Luc, je vais y aller avec toi. Fait que... fait qu'on est parti à Provincetown pour l'été complet. C'était un des meilleurs moments de ma vie, je pense. J'ai fait des conneries par-dessus conneries. Ah, oh, tu viens juste partir pour oublier. Mais après Provincetown, c'était tellement fun, je dis, je rentre pas à Montréal, je m'en vais à San Francisco. Puis j'ai fait un road trip de Provincetown jusqu'à San Francisco pendant un mois dans un Toyota Tercel. C'est pas très confortable. Tu sais, imagine faire un road trip dans un car to go. Pas beaucoup de legrooms. Moi, j'ai pas les grandes jambes, mais ça, j'aime ça m'étendre. Fait que finalement, c'était même petit coup parce que j'ai visité les États-Unis au complet jusqu'à quand j'étais à San Francisco. Puis après ça, c'était le break. Le premier break. Il y a eu trois breaks. Celui-là, le break après ça. Je suis retourné à Provincetown. Après ça, j'ai fait tout le San Francisco. J'ai fait l'Europe pendant six mois. Après ça, il y a eu l'autre break dans la carrière. C'était l'Australie, la Thaïlande pendant 3-4 mois. Puis ça, c'était comme. I'm back. The bitch is back. Mais c'est ça, je vois la carrière. Je suis parti six mois, un an. You were hugely a part, obviously, of the 90s drag explosion that happened internationally. And now it seems drag is back on vogue. Why do you think that is? Other than the obvious, which is RuPaul's Drag Race. Yeah, the thing is with drag being back on vogue, it's never been gone. Drag always been there. I was always there. There were always shows happening in the United States, London, Australia, even Montreal. So it always happened in a big drag community. The thing is, because of RuPaul, because it... What happened to drag? It became mainstream. That's what happened. That's la résumé. That's how it was made in one word. Mainstream made drag going, having a generation, they went away and they came back. They just came out of the shadow. Right. We were never the bit the bar anymore. We were not those weirdos, the freaks, the marginal. We were recognized for our talent, actually. Oh, that's great. I think that's great. Yeah, it's that big. Where do you see drag heading? The bad thing is I'm losing my dress. I've gotcha. Where do you feel that drag is going to head toward the future? I think drag is already heading to places I never thought it would go. Like, for example, having a show almost on national television about drag queens that it's not only in one country, but it's seen in hundreds of countries around the world. The fact that we gather every Monday night in Canada to watch a TV show called RuPaul Drag Race, and there's 200 people watching a TV show about drag queen. The fact that my mother knows a drag queen is the fact that I have my statue in a museum. Hello! That's major. This is the. I still don't believe it's Boy George like, RuPaul Madeau have wax figures. Yeah, I have a wax figure of myself and the bitch. And she will look younger forever. Now, speaking of Canadian drag queens, you appeared in the film Snow Queen with Patrick as well. Mm-hmm. Tell us why that film was important to sort of catalog what's going on here in Canada, as we're often not really paid attention. But what's good about that movie, I think, is it's seeing other drag queens and what we are used to. Because I've learned about some girls that I never really known that existed and been doing that career for many, many years. I know there was one called Folk, I don't remember her name, but she's been doing it for like 40 years. Michelle Yabari. Yeah, that's it. 83, she got the Guinness Book of World Records for the oldest performing drag queen. She's 83. She's 83, and she's been doing it for what, 50, 60 years? Yeah, since the 50s. Since the 50s. Like, it's insane. So that's my goal. Yeah. The Book of Records. I want to be the oldest drag queen, still look 30 years old, 50 years from now. In the film, you spoke about Gilda. Yeah. Let people know who that is and if she was an inspiration for you. Not really. But your parents knew her. The thing about Gilda, she didn't want to become a drag queen. She hated the word drag queen. She hated the word female impersonator. She hated all the words about drag queen. She was a performer and she was right about it. She was an amazing performer. You look at Gilda and you saw just an amazing performer. You couldn't tell that's a guy. And that was not important because he was a comedian, he was a singer, and what he was doing it à la perfection. He was so perfectionist like that. Enough to say that I don't think right now we have people in Montreal, at least, I don't know if there is in Canada, that are so refined. He was so refined. He was working till the tip of his finger. I don't even wear nails polish. You see how bad I am. I am so negligent. I love your ring. Negligent. It's amazing. Someone lent it to me tonight, but he doesn't know I'm going to steal it. Oh.
Suggestion from Banana. So Gilda. I think it's a, no, but it's, but she was such a phenomenon. She's not a model because that's not what I'm doing. I'm not doing impersonation of diva. She was married when she did Marilyn Monroe. She looked like Marilyn Monroe. When she did Marlene Dietrich, she looked like she even had the voice. She was perfect. So I'm not performing other stars. I'm doing my own things. I'm writing my own texts. If I do stars, like if I'm in front of Celine, which I love to do sometimes, often, every day, I will not dress exactly like her, but I will try to copy what she was wearing, and the hair, and the vampire teeth. In those days, in the old days, before the Botox, before the surgery. She had a major chance of surgery. So then who are your influences? Actually, my influences used to be, when I started, two very important people in my career, because they are, one in her, she's a stand-up comic in Quebec called Clémence Desrochers. She was there in the 60s and the 70s and stuff of her career at the end of the 80s. She was one of the only women stand-up comic in Montreal, in Quebec. She was one of the first, if not the first one. There was Dominique Michel, but Dominique Michel was more a comedian on TV and theater. But Clémence Desrochers was, and everything she did, she ride her own ship. She was a raconteuse, in English, was a storyteller. And it's a bit like I do. I write my things, but I always forgot what I write most of the time. So I do improv. Now I'm trying to stick to what I write, because if I travel with my show, I want to at least be able to say what I wrote. And I know I've got a lot of good jokes that I didn't say tonight, so I'm not forgetting them all. But Clémence was like that. She would forget her text on stage, and she would say it in front of people. She would just improvise, and she was so good at it. And she, at the end of her career, she started to sing more and more. So she would be bold, and it inspired me a lot. Her humor was so intelligent, and I liked it a lot. And there's also the writer Michel Tremblay, who wrote not 90% of the theater of Quebec, which inspired me by his character, because his character is a bit like a woman from my neighborhood. I remember like reading it inside, and I see all the neighbors from the lane where I grew up. And, reading Ozanda and all these stories he talked about the first drag queen of the 70s. So it was kind of my inspiration from the way I talk, the way she expressed herself. A bit less today because I started when Malou was tacky. And my inspiration was like those tacky women from where I grew up, the American. Okay. And now I'm becoming more like sophisticated. Very sophisticated. I feel like I'm more like an eccentric diva. I used to be a douchebag diva. Oh. Did you have a drag mother? No, I'm the first in my family. Oh! Do you have drag daughters? I have actually three. It's very complicated. Because that thing, mother and daughter, is what happens. Some drag queens, they adopt you. They say, Mom, I'm like, what? Mom, I'm your mom. So I don't know why you call me Mom. I don't want to be a mom. I do want to be a mom. There was one called Dream, which I helped actually a lot in her career. Because when I saw her, amazing talent, and I saw such potential in her, and I helped her, I raised her, and I teached her almost what I knew. And she stopped doing shows now, she went to Quebec City, but she was the only one actually I can say that I took under my wing and I helped her to grow up. There's another one who used to call me Mom in your days, Miss Jack and Jet. And I said, why do you call me Mom? You're like 6 feet tall, and I was like that petite woman. She's a large woman, she was an amazing diva on stage. She was very feminine. And I still have to ask her, why did you used to call me Mom? And it was an amazing Sheena Hershey that we love so much. Yes. Oh my God, amazing Sheena. She's watching us in paradise, I'm sure she's there. She might be in hell. Hell is better. It's warmer. It's warmer, yeah. And it's funkier. Who wants to have a party on the clouds? I want to party with the devil. And she would call me Madame Mariam because she said I was her godmother. And there's another one called Miss Vicky that she used to call me Mom, and now I call her my transsexual daughter because she was a drag queen, now she went back to a guy. So she's a drag queen, was successful. She changed sex, she became a guy. So she's my transsexual daughter. And there's another one called Ruby,
that I wanted to teach her, but she stopped doing show last year, and she was my daughter for a year. But she's still my daughter, but she wears a beard now. So I've got a bearded woman, I've got the bearded trainer. I have a fucked up family. A crazy family tree. Now, look at the mother. It all starts at mama, honey. Yeah, the mother was like, now, you also DJ amongst all the other things you do. When did that start, and how did that become a passion for you? A passion? Just a job. Actually, I want to put music where I used to work. I said, I think I'm going to need to DJ because the music is so boring right now. Classic can agree with me because it's DJing too. There was those days when the DJing topic would be fun to dance for 3 hours with no words on the dance floor, with just music that would go and then suddenly you I need my funky diva. Bring me like the weather girl something. You want some soul, honey. I needed some soul on the dance floor. So we used to create those little rooms in a big dance in a big club with for different kind of music. And this is where I started to DJ at the Sky and the Stop. It was a little place called Shenado, the first Shenado. It was shaped like an apartment. There was a kitchen, there was a little living room, and then there was the dance floor area, which I owned when the other park closed. We kept that little place, and I started, I think it was in the third, no, the week, the months, it was not the week, not the months. I was doing my little DJ, and I was only playing 80s music, 70s music, tacky music from 2 days, and maybe one hit that I couldn't avoid, right, that was out. And there was some people used to love that, and we did it for almost 10 years, and then I still do it like that, but now the young people, they don't want to hear the 80s anymore. And I kind of understand because we've been reviving the 80s for 80 years now. Yeah. So can we revive something else? Let's revive the journeys. Yeah. The journeys? There was no music in the journeys. It was... dans le futur, Madeleine, en fait, le futur approché, l'Internet, est-ce que ça a changé ta carrière? Oh, ça fait chier ma carrière à l'Internet, est-ce que j'aime ça? J'haïs la technologie, je suis pourri en technologie, puis c'est encore plus... Déjà, j'ai assez de job à apprendre des textes, à préparer des spectacles, à faire des spectacles. Là, il faut que j'arrive chez nous et que je mette des photos. Mais tu prends une photo, on va faire toutes les photos de ta show. J'ai oublié de faire mon Instagram. J'ai pas changé mon statut sur Facebook, ça fait 2 jours. Je suis dead, je suis pas dead, si j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. C'est. C'est ça. J'ai pas de gérant dans ma carrière. Je gère pas mal tout le temps. On veut m'engager, il m'appelle, il m'écrit. Tu venais faire un show ce soir, ça marche en général comme ça. Mais là, en plus, là, j'ai un gérant pour Facebook, Twitter, puis là, Instagram, il m'a dit. Mais là, t'es pas sur l'autre affaire, Tinder. Non, Tinder, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça, Tinder. Écoute, c'est autre chose. Je mets pas sur Grindr, sur le Scruff, puis sur le Hornet, parce que je peux pas, tout le monde me connaît. Je suis bien frustré de ça. Je suis obligé d'aller dans les sauna pour poser. Je vais pas quand je reste pour faire des études archéologiques. Parce que écoute, le monde est tellement fou, les sauna, c'est des études archéologiques, très loin. Il y a des vieux zoos, sur le bord du 20e siècle, ça doit apparaître. C'est un mammouth dans le premier tertiaire. Et puis, mais l'Internet, ça me fait paniquer que j'aille ça parce que je suis toujours en train de dire j'oublie, j'ai pas le temps, qu'est-ce que je t'en retarde? J'ai toujours l'impression d'être en retard sur tout. Ben, ça va très vite. Ça va trop vite. Si ta photo est vieille de 3 jours, genre, puis là, si ton show est dans 3 jours, t'as pas annoncé ton show et t'as pas fait un special event, comment ça t'as fait un special event? Je sais pas comment faire un special event. Je suis juste capable de mettre une photo sur ma page Facebook. Je sais pas comment créer un special event. Je veux pas l'apprendre. Je veux pas, ça prend pas, ça fait trop d'avant. Mais en fait, tu peux faire tout ce que tu faisais avant quand tu faisais tes flyers, puis tu faisais tes posters et qu'on allait les porter dans tous les magasins avec les flyers. Ça, tu peux tout faire ça chez toi. Mais le problème, c'est que quand je faisais ça, c'est que j'avais rien d'autre à faire. Ah. Tu sais, on allait travailler, puis j'improvisais, j'apprenais mes trucs 5 minutes avant de monter sur scène. Puis les gens me disaient, Nado, c'est pas ton lip-sync, je disais, I don't care, quand on fait mon lip-sync, c'était plus long, look at me, il y a pas ma bouche. Dans ma tête, c'était pas important, les signes, c'est la performance qui est importante. On n'avait pas de les signes, on préparait nos costumes 2 heures d'avant. C'est sûr que la semaine, on avait le temps de faire
faire du découpage, on collait des petites affaires sur des flyers, on faisait des photocopies. Puis on allait porter des photocopies dans les magasins, ça c'était des flyers de spectacle. These were the days. Ah! J'en ai encore de ça, je disais à ma mère, plutôt, j'ai dit, je pense que je vais t'en donner. Ça va pouvoir faire une œuvre d'art, des vieux flyers faits à la main. Vraiment, là, c'était quand je collais, photocopie des groupes, recolle une autre photocopie pour que ça donne ce qu'on voulait que ça donne. C'était aimé. Puis on ne pouvait pas voler les photos sur Internet, ça n'existait pas Internet. Et qu'on prenait des photos dans les vieux magazines. Mais est-ce que tout ça, ça fait que ton métier était plus facile à l'époque? Pas plus facile, mais plus drôle. Parce que là, aujourd'hui, tu veux une photo, une minute, c'est fait, elle est déjà là sur Google. Je me dis, fuck! Avant, quand je cherchais une photo, je tombais sur d'autres affaires qui n'avaient pas rapport. Je passais 4 heures à trouver la photo parce que, c'est pas mieux. Je me dis, qu'est-ce que je faisais? Donc, moi, je cherchais une photo pour ça. Tu sais, avant, tu cherchais quelque chose, mais tu tombais sur plein d'autres affaires qui te donnaient des idées pour te rendre jusque-là. Aujourd'hui, tu cherches quelque chose, tu le fais dessus, tu n'as pas d'autres idées pour te rendre, tu es déjà rendu. Fait que la créativité est moins. Je pense que la créativité, pas qu'elle est moins présente. Moi, je suis une personne pour être stimulée, il faut que tu mettes bien des affaires dans la face. Si tu me dis que la réponse est déjà, j'ai besoin que ça prenne du temps pour me rendre aidé. Puis être gay, est-ce que c'est plus facile maintenant? Je ne suis pas gay, je suis bisexuel. Mais tu as des amis gays. Je couche avec des hommes gays et des hommes straight. Oui, j'ai des amis gays, plusieurs, trop. Est-ce que tu penses que leur vie est plus facile maintenant, mis à part l'Internet? Je sais pas si c'est plus facile, mais c'est plus exposé. C'est plus facile d'être exposé en tant que gay aujourd'hui. À l'époque, nous autres, on est la génération entre les deux. La génération avant moi, parce que c'était comme bad. Le moment donné, c'est comme un coming out qu'on pouvait faire, mais nous autres, c'est comme pas bad, parce que c'est pas grave. Tu peux être à n'importe quoi, les années 80, c'est comme everything goes. C'était Prince, c'était Bowie, c'était. Ouais, mais ils n'étaient pas gays, eux autres. Non, mais c'était pas ça. Tu pouvais la chanter à l'amour. Oui. Moi, je faisais la même. C'était un excentrique. C'est ça. On était des excentriques. Ça passait les excentriques. Aujourd'hui, c'est comme. Oh, that's weird. Mais tu peux dire, I'm gay, I'm gonna adopt two girls from China. Oh, cool. Mais les talons, c'est comme. That's weird. C'est le modèle hétéronormatif. Oui, c'est ça. Jean Neil Patrick Harris. Je pense qu'il y a trop d'images aujourd'hui dans les médias de modèles gays qui fait que les autres modèles qui sont pas dans ces images-là passent peut-être moins gays justement que nous, on passe à gays parce qu'il n'y avait pas une image, il n'y avait pas, il n'y avait 15 000, il n'y avait pas une en particulier qui était acceptée. Aujourd'hui, tu es en train de te dire, donc si je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je suis pas un vrai gay, je suis weird, je suis célibataire, c'est pas grave, what's wrong with you? Do you stink? Non. I don't think so. J'ai des questions rapides. Pour toi, et c'est des réponses à un mot. Un mot, un nom. OK? Concentre-toi. Ta chanson favorite? Je peux-tu dire ta chanteuse? Non. OK. Love is a battlefield. Ton film favori? Je sais que t'en avais beaucoup. J'en ai Aladdin. C'est toi. OK, ça vient de ton fond. Il y a Grease, il y a Aladdin. Ton idole? J'ai pas d'idole. I hate that word. OK. You cannot worship others, you worship only yourself. Parfait. Ta couleur favorite? Madose, I'm pink. Yes. Of course. Pink. I'm a pink lady. Ton plus beau voyage? Oh, too many. Juste un. Où tu pars ce soir, là? On s'en va à l'aéroport, tu pars, tu vas où? Ah, shit, je vais partout. Non, c'est trop cliché. Ah, ta matière favorite à l'école? Attends, j'ai pas dit que je m'en allais! Non! Il y a une time limit à mes questions? Tel Aviv. Tel Aviv. OK. Ta matière favorite à l'école? Français. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? Ah! Je voulais être caissière chez les gens. Quand j'avais 2 secondes pour jouer à quelque chose avec mes amis, on jouait toujours à la caissière. J'ai dit, ah, j'aimerais cette caissière chez les gars. J'ai toujours le j'ai pas chiffre, j'ai juste pesé sa main dans la salle. C'est trop facile. Quelle religion tu choisis si t'es obligé d'en choisir une? Agnostique. Ou athée pour ceux qui comprennent pas agnostique. Mot croisé ou sudoku? Mot croisé, voilà. Stephen Harper ou Donald Trump? Neither. Oh, Donald Trump's hair.
mairesse de Montréal ou première ministre du Canada? Queen of Canada. You have been able to reinvent yourselves over the decades, not aging you, but what is the secret of your success? And how do you keep doing it? What I can tell you about it is that one important thing is to be up to date. Because I could have been doing the same thing over and over for 30 years like some queens do, and you cannot not attract young people, but you cannot relate to them. I don't say that I listen to Britney Spears at home, but I know what she's doing. I know that Justin Bieber is a singer. So when I do my shows on Tuesday night and the crowd is young, I can appeal to them. And for me, it's important to try to be up to date and also to do things that I'm comfortable with, also always. Not try to be someone else because it's popular or because everybody loves that person. I cannot do Lady Gaga. I know she's good, she's amazing, but I cannot do Lady Gaga. I will never do Lady Gaga or Madonna. This is not my style. But I can know about them, I can reach them. If I have jokes about them, so people understand what I'm doing. And when I write also, I'm very inspired by the actuality of everyday's news. So I keep updated to what's happening around the world, not only in Montreal. So when I do my show in Paris, I know what's happening in France in the past year. So that's why they're amazing. The bitch knows what's happening here, of course, because I'm not going to come here and talk about Montreal. No, I'm not to Montreal. Nobody comes to Montreal. It's a dead city. There's two tourists a year. And they're gone. I don't know what that is. Why don't you talk a little bit about your Paris show? Because you've been doing it for a few years now. Say it again? The show in Paris that you did. Oh, the Paris show. It's easy for me. I mean, it's not easy, but what I do my singing and my monologues, and I talk about what the difference are between French and Quebecois, and they laugh. And I tell them our expression makes them laugh. I make fun of their expression also. I make fun of their prime, their president. I talk about their music. I sing the music. All the music I sing is French music, and I change the words on everything. I change. I sing Céline, she really like what you loved it. I sing Céline. I sing It's a Pierre, Dalida. So I try to stick to their culture. I wouldn't try to. I did also some of Miley Cyrus and Adele because they know her over there when it was their time to do it. Now I don't know Miley Cyrus, but I think Adele is still popular. So I try to. You see, that's what I was saying. I was saying before the kids. Even if I go somewhere else, I try to be international. There's always a little part of my show that's international. So if there's an American who comes to see the show at the cabaret, he's gonna understand. Montreal is such a hotbed for creative people. You're That's amazing. A testament for that. Why is that? And what makes Montreal drag queens especially so unique? I would say because Montreal is the size of a village, it would probably easier for us to perform, to create here. Try to create in New York. There's so much competition. There's so many people with talent living in New York. Even all the Americans with talent move to New York. Here, all the Quebecois with talents move out of Montreal. So there's more room for us. She points to Patrick. No, but it's a feeling of a community in Montreal. So, like, you know that when you came from Vancouver, you said I knew about you already quick. You're going to know quick about me because it's going to take a couple of days. And if you want to go to Montreal, drag show, you're going to say, go to Manoa. So, but if you go to New York, you're going to look around sometime for, where's the drag show? No, I think there's one there. And even people from New York don't even know where shows are. People ask me, like, I don't know, you're from New York. Even the drag queen I know from New York is always changing every month. Now it's here, now it's there. So, Montreal, maybe because it doesn't move as fast, we're not changing bars every night. There's a little night going to happen for a year, and then it's going to move to another location. But still, it's very familiar, it's consistent. So it's maybe easier for people to reach the art because it's not moving too fast. If you have an exhibit here, you're going to keep it for a couple of weeks. We have time to see it. Some places you go around the world, they have too many. It's changing in London, and you better go to see the exhibit. It's there for a month. Wow, okay. Here's 12 months for an exhibit. And the music goes down. Penses-tu qu'il y a une expiration sur la vie de nuit? Sur la? La vie de nuit. Il n'y a pas une expiration sur la vie de nuit, mais en ce moment, il y a comme un warning, je pense, qu'il faut s'adapter au changement. Tu parlais d'Internet tantôt, un gros changement à cause d'Internet. Beaucoup de gays me disent, genre, beaucoup de Grindr, puis de toutes ces applications-là qui font que les gays sortent plus. Le problème, c'est pas que les gays sortent plus à cause de Grindr, c'est parce que
tellement de distractions maintenant, que ça soit tout le monde est scotché sur son téléphone, il y a des applications pour jouer à des jeux, pour commander de la bouffe, pour lire, pour voir des films. Tu peux tout faire sur ton téléphone maintenant ou chez toi dans la maison. Fait qu'il faut juste que nous, on trouve un moyen d'attirer les gens et sortir de chez eux, de leur écran de télévision et de leur bébé internet. Puis c'est aussi d'essayer d'être original dans ce qu'on offre, dans ce qu'on propose. La nuit, comme elle est présentement, moi je le dis à mon associé, puis même une gérante, je dis « Ah, peut-être qu'on va faire une publicité, puis peut-être que la soirée, je dis, c'est pas ça le problème. C'est oublier avant. Il faut travailler avec après. Avant, c'est fini. Il n'y aura plus jamais de line-up un mardi soir, en plein hiver, parce qu'il y a une tempête de neige. Donc, quand il y a une tempête de neige maintenant, les médias qui sont partout te disent « Il fait frais, il neige, ne sortez pas de chez vous, c'est dangereux. » Dans le temps des années 80, il n'y avait pas de médias parce qu'on n'avait pas d'internet. Les gens disaient « Hey, party! Les bars vont pleins! » Puis effectivement, les bars étaient pleins quand il y avait une tempête de neige parce que le monde savait soit qu'ils ne travaillaient pas le lendemain, que l'école était cancellée, etc. C'était plus improvisé. On improvisait plus parce qu'on n'avait pas de nouvelles. Là, trop de nouvelles, on se trouvait là. Il y a trop. Quand tu as trop de choix, moi, c'est quand tu m'amènes un menu chinois, je dis bah, 200 choices, là, prends-moi un menu français, trois choix. Un poisson, un poulet, un steak. Un poisson, tu sais. Quand tu as trop de choix, c'est pas vrai, vous paniquez pas devant le menu chinois, tu sais. I'll take number 144, puis number 21. Oh non, I take 66. Oh, je sais plus, attends, j'ai pas fini. Come back in an hour. Et au niveau de ton travail, de Mado, est-ce que il y a une expiration sur la vie de nuit, dans le sens où vas-tu faire toujours la nuit? Il est en train d'avoir une expiration sur le se coucher tard, travailler tard, c'est-à-dire que je n'ai pas la même énergie que j'avais à 20 ans. Parce que à 20 ans, on pouvait boire comme des trous, puis le lendemain, on était top shape. I drank 20 sugar that night. Ça paraît pas du tout. Là, tu vois deux shooters en plus. Ah, I'm over for 2 days. Fait que c'est sûr que si on en parlait tantôt dans la loge, je ne bois plus. Je buvais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a plus que beaucoup sur scène à l'époque. On buvait cognac. C'était pas n'importe quoi. Là, c'était des cognacs. Tu bois 20 cognacs dans une soirée. Aujourd'hui, c'est comme. And she's not bad yet. Non, l'alcool, ça conserve. Mais je pourrais plus faire ça aujourd'hui. Premièrement, parce que j'aime plus ça. Puis deuxièmement, c'est parce que je serais morte. Puis j'arrive chez nous le soir, puis les 2 heures du matin, puis je me dis, wow, it's so early. Il faut que tu vas à 2:30. Avant, c'était comme on quittait le bar à 3h30, 4h moins quart, parce qu'on restait, on jasait, on prenait un verre, on disait, on va aller manger une poutine au rapido. On arrivait chez nous à 4h du matin. It's still early, let's watch a movie. Là, tu te couches à 5-6h du matin, tu te dis, à 2h l'après-midi, c'était comme aujourd'hui, c'est comme. Non, j'ai des choses à faire parce que j'écris, j'apprends mes cours, j'ai des entrevues, whatever, j'ai plein de choses. 9-10h le matin, puis des heures. Si je me lève à 11h le matin, je me dis ah, il y a du soleil, j'ai tout manqué ma journée. Mais c'est quoi, justement, tu viens d'en parler, là, l'aspect de ton travail, là, tu en choisis un seul et tu laisses tomber les autres, c'est quoi celui que tu préfères? Être sur la scène. Ah oui. Je suis tenancière de cabaret, écriture dans le fugue, DJ. Oui, je m'étais mis à l'arrêter d'écrire pour le fugue avec 28 ans ou 27 ans parce que j'avais tout ce que j'avais dit. Puis, à un moment donné, quand il y a Saint-Valentin qui revient à chaque année, c'est le texte sur l'amour, je n'étais plus capable d'écrire un texte sur l'amour. J'ai inventé n'importe quoi l'amour, moi j'en ai l'amour du public. Puis un autre texte sur le gay pride, j'étais épuisé. Mais moi, si tu m'enlèves la scène, genre, moi je peux le faire, je suis heureux sur le scène, je suis pleine possession de mes moyens, plus que dans le monde. Après, quand la soirée est finie, aller jaser avec les clients, je crois que j'aime pas le monde, parce que je suis fatigué. J'aime ça être en performance. Tu sais, si quelqu'un m'arrête et me parle de comme si on se connaissait, hey, allô, tu sais, c'est bon ton jeu, tu sais, comment est-ce que tu apprends cette affaire-là? Je dis, I don't have any opinion. I'm a drag queen. Je suis comme un comédien. Et pourtant, les opinions, tu les as amplement sur scène. C'est ça. Quand tu débarques la scène, tu les as plus. Ben, je les ai, mais c'est comme, je suis pas en performance. Quand je suis dans le monde, je performe plus. Puis beaucoup de gens, mes amis, viennent me voir et me parlent comme si je n'étais pas maquillé. Je dis, hey, I'm still wearing a costume. Don't talk to the guys that are there. Fait que sur scène, je suis the queen. Je contrôle. Je peux faire ça, je sais où je m'en vais. Est-ce comme une autre dimension?
C'est comme si le temps s'arrêtait un peu. Ben, c'est comme tu vis dans un théâtre de marionnettes. Ouais. Puis qu'est-ce que tu veux faire que tu n'as pas encore fait? Des fois, j'ai l'impression que j'ai tout fait. Dans le sens que j'ai fait des spectacles partout à l'extérieur du cabaret. Je me suis dit, jamais je ne vais pas aller là. Ce que j'aimerais faire, que je n'ai pas encore fait, c'est de faire un rôle au théâtre ou au cinéma qui ne serait pas mal doux. C'est-à-dire que the guy behind somewhere, il jouerait un autre personnage, quelque chose de complètement différent à l'opposé de Mado. Pour que les gens fassent ah, oh, that guy is good, c'est Mado. Non! Ma mère, il looks so good as that. Not for that. Ça serait surtout pour être capable d'avoir un nouveau challenge. Mais tu sais, pas pour arrêter Mado, parce que des gens disent que tu t'es pas. Non, je suis pas tanné. She fills me up with joy. Puis c'est surtout que je peux faire ce que je veux avec Mado, que je ne pourrais pas faire sans Mado. On a plus de liberté, tu sais. Tu sais, il y a des affaires que je dis que les gens pensent peut-être pas aussi bien, surtout avec les lesbiennes, si je suis pas en ado, je suis lesbienne, on va quelle réflexion. Non, mais c'est vrai qu'on a plus de liberté quand on est déguisé comme des personnages. Mais c'est pas pour ça, pour la liberté de dire ce que je veux. Parce que j'ai toujours voulu faire du théâtre en ado, c'est un personnage, pour moi, qui me permet d'aller où je veux, d'essayer des nouvelles choses. En plus, parce que tu sais, quand j'ai commencé à chanter, c'était nouveau, Mado, il chantait pas, il y a 15 ans. Puis là, Mado qui change aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 15 ans, mais elle change les paroles, elle change pas les paroles il y a 15 ans. Là, puis là, maintenant, ça va être quoi la prochaine étape? Je vais créer mes propres chansons, probablement. Humoristiques toujours, tu sais. Mais c'est quoi le pourcentage du gars dont on parle dans Mado? Ça doit être la femme. C'est parce que, ben oui, parce que toute la tête qui parle en ce moment, mon intérieur est déguisé. L'improvisation, ça vient, tu comprends ça? En tant qu'observateur, je trouve que il n'y a pas tant de différence que ça. Ben c'est ça, c'est pour ça ouais. Que c'est 50-50. Oui, oui. C'est juste que ça, c'est amplifié. Oui. Puis quelqu'un qui voit, semble, qui voit pas Mado, qui voit l'autre, il ne sort pas tout de suite, mais après un certain temps, ah, oh, ok, je comprends. Parce que t'écris pas tes opinions, t'écris pas tes... Ça vient tout de toi, ça. Je veux dire, ça vient tout dans le dedans. Are you confused as much as I am right now? Who are you talking to? C'est difficile de parler de personnes à la fois, mais je pense que je suis pas schizophrène, don't worry. Mais quand je suis Mado, I am bold. Quand je suis the other and the other only, the character is not there and I'm acting. I'm not acting like she is not acting like me. Tu comprends ça? Je comprends tout ça. Do you understand it? C'est-tu clean? Ça veut dire quoi si c'est la fin du mailand? On fait pas ça dans le village, on va faire des malades. Malade? Groovy. Mado, one more question before we open things up to the audience. What can we expect from the future? What is next? My dream come true is to open so many cabarets I love around the world. So I could travel in every city that I love and could perform everywhere in my own cabaret. This would be amazing. That's it. That's simple as that. It's a simple dream. It's going to happen. Keep your dreams simple. That's everybody, let's hear it from Mado. Again, thank you, Mado.